Ça me dit, je vois comme je suis, c'est ce que m'envoie ta structure. Je vois comme je suis parce que je n'ai pas besoin de la position des autres, de l'angle de vue des autres pour pouvoir savoir qui je suis. C'est cette histoire de perspective est sous-tendue par ça, par une histoire de vérité. Ouais, c'est ton angle de vue en fait. Et tu perçois ce décalage. Tu perçois une forme de décalage de perspective à partir de ton point de vue pour te faire comprendre et pour intégrer derrière que tu as un point de vue unique, que tu es un être unique et spécifique et que personne, rien ni personne ne peut percevoir la vie comme toi tu la perçois. Et il y a une notion de respect de ça derrière qui n'est pas encore intégrée, qui est en train de s'intégrer. Ouais, alors. Et chez toi, il y a une forme de... Chez toi, il y a une forme de refus de ça. Une forme de refus de... Alors derrière, ça tout sent... Je refuse de trouver ma place. Et quand tu dis que tu as dû... et que c'est en lien avec, que c'est peut-être en lien avec ta manière de te positionner dans l'espace-temps, et vraiment tu tombes juste. Alors, pourquoi tu as du mal à positionner dans l'espace-temps? Parce que pour toi, ok, acter de manière saine pour toi, aligné en cohérence avec toi, un choix de manière concrète, c'est-à-dire en allant quelque part, en faisant quelque part, en planifiant, est quelque chose de difficile. Donc, tu restes en retrait de ta vie pour pouvoir ne pas la vivre. Ouais, ok. Tu te sens inadapté. Ouais, ça me sort, je suis inadapté. C'est ça qu'il faut dire, ok. Ça me sort, je suis inadapté. Je suis quelqu'un de... d'impossible à retrouver. Voilà, ok. Donc ça commence à se recaler chez toi, Marielle. Et comme tu m'avais dit par mail que tu étais assez sensitive, donc je pense que tu dois déjà sentir les effets de la vibration. Ok, deuxième question. Pourquoi je n'arrive pas à me dépasser en sport et là ta deuxième question, elle est en lien avec ce que je t'ai dit à la fin de la première question. C'est-à-dire que arriver à te dépasser, relever de nouveaux défis, faire un sport, aller de l'avant, signifie aller te positionner de manière physique dans le monde. Et ça sous-tend avoir un retour à d'autres personnes est pour toi difficile parce que ça te permettrait de localiser ton corps et que visiblement tu as une priorité pour ne pas être clairement au fait que ton corps est bien là. Donc c'est ton système d'ancrage qui est dysfonctionnel. Et qu'est-ce qui est dysfonctionnel là-dedans? Non, je ne vais pas dire ça comme ça, ok. Ok, l'extérieur est une bulle que tu dois percer. Donc il y a cette notion... on tombe encore sur cette notion de pouvoir. On tombe encore sur cette notion de pouvoir. Parce que pour toi, ok, tu as la croyance que l'extérieur a le pouvoir. L'extérieur a le pouvoir, donc je dois absolument forcer pour y aller. Mais comme je pense être dépossédé du pouvoir parce que celui-ci est à l'extérieur et que j'ai la priorité de me cacher, j'ai la priorité de toujours me retrouver face à moi-même
pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour me contempler de l'intérieur, je ne peux pas percer cette bulle-là. Je ne peux pas percer cette carapace. Et, ou plutôt cette coquille d'œuf pour me montrer au monde extérieur. Donc, tu es clairement sur une thématique de caméléon chez toi. Ouais. Et quand je pose ces mots dans ta structure, ça résonne quoi ? Ok, tu cherches une porte. Ça me dit, je cherche une porte de sortie, sans savoir laquelle, sans savoir pourquoi. Parce que tu ne poses pas la matière, tu poses le mental d'abord. Tu poses quelque chose qui est déjà. Ok. Ta réelle thématique, c'est l'action. Donc, tant que tu n'as pas posé quelque chose de mental, tu ne peux pas faire cette action. Et derrière, c'est une notion. Ah, d'accord, ok. C'est une notion de jouissance. Donc là, c'est pour le groupe, c'est pour tout le monde. La jouissance. Ok. La jouissance est l'apanage des assets. La jouissance est quelque chose de tellement éloigné de moi que. Ah non, pas éloigné. La jouissance est quelque chose dont je m'éloigne sciemment pour pouvoir être sain, être saine, pour pouvoir être pur, pour pouvoir être clair. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, ça commence à bouger pour le groupe et pour toi aussi d'ailleurs. Donc voilà la troisième thématique de la soirée, la jouissance. Donc ce soir, ce sera pouvoir, émotion, jouissance. On tourne tous autour de ce thème-là. En tout cas, c'est celui-ci qui a envie d'être guéri par cette mise en transparence. Donc comment le groupe gère la jouissance en se repliant sur lui-même. On est un peu des pervers qui refusons d'exposer notre manière de jouir. Notre manière de jouir, ça signifie notre manière de nous représenter dans le monde. Notre manière de nous pavaner dans le monde. Notre manière de dire « Regardez comme j'ai réussi. » On a du mal à montrer notre réussite. Voilà ce que vibre le groupe. On est le génie maudit qui refuse de prendre part à un concours quelconque qu'il serait sûr de gagner parce qu'il se sent incompris, parce que pour lui, il ne sera jamais accompagné des autres. Ça me dit ça. On est capable de se brider pour pouvoir rester avec les autres. Et pourquoi est-ce qu'on a tort de faire ça? Parce que les autres ne nous accompagnent pas parce qu'on se bride. Les autres nous accompagnent parce qu'on vibre. Parce que eux perçoivent ce quelque chose que nous, on refuse d'exprimer. Notre jouissance, notre pouvoir. Merci pour ta question, Marielle.